À plus long terme, nous avons naturellement l'ambition de nous implanter, bien sûr, dans la circonscription, mais plus particulièrement à Donge. Parce que, comme je l'ai dit dans une précédente réunion, je ne sais pas si vous étiez là, on ne va plus se contenter de regarder les trains passer maintenant. On voit un certain nombre de communes, on fait des scores invraisemblables. Enfin, on nous explique que le RN serait dans une terre de. Comment on appelle ça? Une terre de mission dans l'Ouest et dans l'Ouest-Atlantique en particulier. Nous disons, nous, que c'est une terre de conquête et pas une terre de mission. On nous explique que le RN fait un certain nombre de scores importants, un certain nombre de villes, de Brière, de l'Estuaire, du bassin du Saint-Malo-Portuaire, un peu plus au nord également, vers Saint-Joachim, Crossac, Saint-Malo de Garsac. Dans toutes ces communes, nous faisons des scores qui maintenant au premier tour dépasse le quart des voix. On dépasse partout 25% dans ces communes, parfois 30%. Et maintenant à Donge, dans une commune comme Donge, nous sommes à 33% au premier tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire plus 10 points en 5 ans. Dans une commune comme Donge, on ne peut plus laisser les trains passer simplement en commentant les scores sans y présenter des candidats. Il faut qu'aux élections locales qui viendront dans 3 ans, on va dire le nouveau maire de Donge, eh bien, il y ait en piste une liste Rassemblement National ou je ne sais pas, en tout cas qui représente la vision locale que nous avons sur des sujets comme la raffinerie, mais d'autres sujets pour Donge. Une liste RN et apparentée. C'est un défi de long terme dont nous posons en ce moment les jalons au lendemain de cette élection présidentielle. On voulait voir tout de même les résultats de l'élection présidentielle avant de bien y réfléchir. Et quand même, 54% des voix, on ne peut pas. C'est quelque chose dont il faut bien prendre compte. Ça veut dire qu'il y a quand même une demande locale de réponses qui sont apportées par Marine Le Pen et le Rassemblement National.